Cinquième jour. Allez, on rentre à la maison. Daddy! J'ai trouvé plein de trucs intéressants. Vraiment chouette, quelle nuit. Et toi, ça a été? La nuit a été calme. Super. Super, super, j'ai pu ramener des trucs. On va pouvoir crafter un peu. Oui, je suis de retour, ma fille. J'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que je lui ai pris? Elle me demande qu'est-ce que c'est. Ah oui, on peut s'en servir pour fabriquer de nouveaux jouets. Enfin, j'étais en train de me dire, j'ai un truc que j'ai ramassé. C'est le petit nounours, quoi. Ouais, on va fabriquer des trucs. T'inquiète pas. Bon, allez. Comment ça va sinon? T'as faim, c'est tout. Ok. Il y a faim aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Je t'ai rien demandé. Pourquoi tu vas tout seul faire le truc? Qu'est-ce qu'on peut crafter rapidement? Il faudrait que je crafte un truc pour récupérer de la flotte. Ainsi que je crafte. Ah, oula. On va mettre ça dans la salle de bain. Par là, voilà. On va voir ce qu'elle raconte. Je crois. La dernière fois que j'avais aussi faim, il n'y avait que du porridge dégoûtant. Et je n'en ai pas voulu. On ne m'a rien donné pendant une journée pour me punir. Bah. La prochaine fois, tu mangeras, hein? On est d'accord. Pas que j'oublie de dormir aussi, de faire une sieste. Je pense que je vais rester là cette nuit. On a un peu à manger. Enfin, je fabrique un autre truc. Ah, y'a un mec qui va taper à la porte. Hey les gens, il faut que je vous parle. Qui est-ce? Mais... Ah non, ouvre pas, ouvre pas. Moi qui ouvre la porte, non, casse-toi. On n'ouvre pas un inconnu, t'es malade ou quoi? Alors attends, juste un truc. Voilà, va jouer à l'avion si tu veux. Je cherche juste un refuge. Ok. Il faut... Je cherche un refuge. Un refuge, pardon. C'est qui? Il n'a pas l'air super commode. On va aller ouvrir la porte. On aura de meilleures chances ensemble, je peux rester? On va discuter un peu ensemble. Qui es-tu? Un tireur d'élite a failli avoir ma peau. J'ai cru que j'allais y passer. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Ça m'a sauvé, mais c'était moins une. Avant la guerre, je jouais dans l'équipe de football de Pogoen. Ma femme et mon fils sont à l'étranger. Hey, mais je te connais! C'est Pavel! J'espère le revoir après la guerre. Je dois survivre. Un petit garçon a besoin de son père. Est-ce que je peux rester ici avec vous? Ouais, vas-y, reste. On a besoin de toi pour sortir la nuit. Ça te dérange pas? Attends, j'ai du boulot à faire. Ça te dérange, attends, je vais dormir, tu vas bosser un petit peu, toi. Il a besoin de repos, lui? Mais sérieux? Non, tu vas crafter un petit truc, là, on va voir si t'es doué. Faut que je dorme, là. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Merde, j'ai pas assez... J'ai pas assez de composants. Tant pis. Et là... Par contre, j'ai pas assez de bouffe pour tout le monde, ça va pas le faire. Je ramène plus de composants. Et de pièces. Ok. Tu veux crafter un truc, ma chérie? Non. Un ballon, je peux pas te le faire tout de suite, c'est pareil, faut des... du composant. Une boule, il y a écrit une boule sera fabriquée, lol. On va parler avec le monsieur. On va voir ce qu'il raconte. Est-ce qu'il est gentil avec les enfants? Qu'est-ce qu'il y a, ma grande? Fasse connaissance quand même. Est-ce que tu peux me brosser les cheveux, Pavel? Bien sûr. Putain, on voit pas leur tronche du coup là. Dommage. Où as-tu mis ta brosse? Pas sûr qu'elle en ait une. Ah ouais, elle en avait une dans la poche. D'accord. Bon, il fait combien de degrés? 20 degrés. Pour l'instant, ça va. Il fait pas assez froid. Il fait pas très froid. On va pouvoir récupérer de la flotte, faut juste que je ramasse des matériaux, des composants. T'en fais pas, je vais m'en occuper. Est-ce qu'elle a des nœuds? J'ai pas fait attention. Oh, elle a cligné des yeux. Allez, va dormir, Pavel. On fera pas à manger maintenant. Putain, je peux rien crafter pour l'instant, ça me fait chier.
qu'on avait d'autres trucs à déblayer, je me rappelle plus. Sinon, je crois pas, je crois qu'on avait tout fait. Et là, ça y est, elle a déjà fini sa sieste. Bon, bah, je crois qu'on va terminer la journée ici. Hein. J'ai rien d'autre à faire en particulier. Non, on va pas manger maintenant. Allez, on termine la journée. Ils ont le même nombre de places dans le sac, Pavel et Christo. Je vais rester avec ma fille, je vais dormir à côté d'elle. Et Pavel va partir collecter. Et pour pas changer, on va rester à la station service. Parce qu'il y a pas mal de matériaux. Ah putain, je me souviens plus. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il fallait que je prenne. Le pied de biche. Non, je crois qu'on avait fait le tour de l'autre côté. Bon, ouais, écoute, on va prendre un pied de biche. On va prendre une pelle. La pelle. On va prendre ça. Je me souviens plus, donc je préfère y aller. Je sais qu'on avait besoin de quelque chose là-bas. On y retourne. Et Pavel, il connaît pas trop le coin, alors. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, fallait que je déblaye ça. Moi, ça va être fait rapidement. Il est bon coureur. Normal, c'est un ancien joueur de foot. Heureusement que j'ai cette pelle, bien sûr. Allez, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, pour l'instant, on prend tout. On verra après. Ah, je peux descendre, nice. On prend tout aussi. Lire ce qu'il y a écrit ici. Il y a une note sous la table, pas vraiment dissimulée, mais on pourrait facilement la manquer. Vu le style d'écriture, il est évident qu'elle a été écrite par une femme à la hâte. Miloche, je suis désolé, je suis vraiment désolé, je ne pouvais plus attendre, j'ai caché quelques bijoux dans les livres. Tu les trouveras dans le sous-sol, à l'intérieur des boîtes en carton. Disposez que Dieu te bénisse. Ok. Donc en dessous là, il y aurait des bijoux. C'est bon à savoir. Oh, des médicaments. Super, et des bandages. Allez, on descend. Je sais pas s'il est encore là, l'autre de tout à l'heure. Bon, là-bas, j'étais pas venu pour ramasser tout ce que j'ai pris là, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça par contre, ça m'intéresse énormément. Donc, on va laisser ça. On va laisser ça. Le sucre, on va en garder. Enfin, moi, je peux tout garder, ça change rien. Non, ça, j'ai dit qu'on le laissait. Ça aussi. Ça aussi. Ça, on prend. On prend. Le bois aussi. On va juste voir ce qu'il y a dans l'armoire ou dans le frigo. C'est quoi, c'est un frigo? Peut-être de la bouffe. Oh putain, de la flotte, de la bouffe. Le petit nounours, tu restes ici. La flotte, on prend les 10. Et de la bouffe. Le bois, on va le laisser là pour l'instant. On va prendre les 4 cuisses de poulet. Je sais qu'il y a de la bouffe ici, on reviendra. Je sais que pour l'instant je reste dans la même baraque, mais mon but là c'est vraiment de survivre. Donc pour l'instant il y a ce qu'il faut. On ira sûrement rencontrer d'autres personnes au fur et à mesure de l'aventure. Mais en attendant, on va pas négliger tout ça. On en a besoin pour survivre. Donc j'avais pas besoin du pied de biche et du crochet, je crois. J'ai pas été voir plus loin, mais il me semble qu'on en ait pas besoin. Allez, on rentre à la maison, ça devrait aller normalement. 10e jour. Putain, j'aurais peut-être dû laisser le pied de biche, ils se sont fait agresser. J'ai trouvé plein de trucs, vraiment chouette, quelle nuit! Ça va, Pavel? Tranquille. Nous avons été pillés, putain. Quelqu'un a essayé de nous voler. Ils ont dû avoir plus peur que nous, ils n'ont réussi qu'à causer de dégâts mineurs. Dommage que nous n'avions pas d'armes. Aucun d'entre nous n'a été blessé, mes agresseurs sont partis avec beaucoup d'objets précieux. Oh putain. Ils ont pris de la boue. Chier quoi. On va crafter vite fait. On s'est fait attaquer pendant ton absence. Bah ouais, j'imagine bien ce que j'ai compris. Pour l'instant, on n'a pas besoin de ça, étant donné qu'on a 10 d'eau. Juste faire... Non, 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 reste là où Pavel, parle avec elle si tu veux. Les cristaux. Je pense que je peux faire.
Un atelier de métallurgie, ça en a déjà fait, ça en a déjà fait. Comment je fais déjà pour avoir le... Attends, faut peut-être l'upgrader un peu. Ah putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, avec ça, je voulais créer un piège à rats. Ah putain, je pourrais créer un couteau, mais il me manque la pièce d'arme. C'est pas grave. La prochaine nuit, j'aurai tout ce qu'il faut. Donc là, ce qu'on va faire... Qu'est-ce qu'il raconte ? J'ai pas lu ce qu'il disait là-haut. Bon, la radio, on verra plus tard. Hein. C'est pas indispensable. On va aller faire à manger. On va aller faire à manger. Je sais que c'est dur. Tes amis te manquent, mais tu les reverras bientôt, dit Pavel. Ah, dommage, je peux pas en faire un autre. Il me manque de la carotte. En fabriquer combien? 3. Allez, on en fait 3 plats. On pique les carottes. Il manque carottes, les carottes. Qu'est-ce qu'il raconte de beau Pavel? Nous devons faire une sorte en sorte d'avoir assez de nourriture pour tout le monde. Tu m'étonnes. Des gens sont venus cette nuit, ils sont venus nous voler, nous faire du mal. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Bah écoute, ils sont comme toi. Ils sont dans le besoin, ils en profitent. Ah, moi j'ai promis, ce soir j'essaierai de te rapporter une surprise, d'accord? Et Pavel va encore sortir cette nuit, il est déterminé. Il va aller se reposer, on va faire ça comme ça pour l'instant. Allez Christo, tu peux manger un petit plat. On va donner à manger à tout le monde. Ça se fait pas de manger en premier, mais c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui vous a apporté quelque chose. Putain, qu'est-ce qu'il a sur le dos, le man? On va manger un peu... Pavel... Je m'occupe devant la porte. Bonjour voisin, vous allez bien? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Nous devons nous entraider, particulièrement dans des mondes difficiles comme celui-ci. Il y avait des arbres dans mon jardin, mais il fait chaque jour un peu plus froid. C'est pourquoi j'ai décidé de les abattre pour en... Alors, il peut me donner 20 bois. Vas-y, balance. Je prends la prochaine fois, je t'aide. Va manger... Ma fille, j'ai du mal à dire ton prénom, alors je préfère dire ça. Pavel, va dormir. Je m'occupe du craft. Mais non, tu dors pas la nuit dernière, toi tu sors la nuit. Bon, du coup, je peux se crafter un lit, mais ça m'intéresse pas. On va quand même faire un filtre pour récupérer l'eau. Va jouer un petit peu, toi. Ah, va jouer là. Ça te fera du bien. Elle a suffisamment mangé. Est-ce que tout le monde peut manger à sa faim avec ça? Ouais, ça va. Elle a besoin de moins de nourriture que nous. C'est bon à savoir. Allez, va le mettre le filtre dans l'eau, là. Ah, pour le récupérateur d'eau. Bon, 19 degrés. 19 degrés, ok. Pour l'instant, ça va. Hop. Elle joue à la marelle. Allez, on fabrique. De la flotte. On récupère l'eau et on la filtre. Dommage qu'on puisse pas sortir à plusieurs, ça aurait été sympa. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, qu'est-ce qui taille? Papa, qui fabrique toutes les bombes? Est-ce que ce sont des gens? Oui, ma fille, malheureusement. C'est l'être humain qui a fabriqué toutes ces horreurs. Ah, en fait, elle est venue me couper dans mon boulot. D'accord, j'ai rien... Ah, ok. Elle intervient spontanément. Mais ils ne sont pas comme nous, si? Bah, si. Ils sont juste méchants, quoi. Et un peu con. Qu'est-ce qu'il va répondre? Eh, Christo. Il va répondre, hein. Il lui répond pas. Je me demande si Pavel voudrait bien être mon ami. Bon, écoute, pour l'instant, il a l'air de... bien t'apprécier. Non mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, va dessiner un peu dans la chambre là. Et bah moi je vais rien faire parce que je crois que je peux rien faire encore une fois.
Non, j'en ai encore pour l'instant là. J'en ai besoin des matériaux là pour faire autre chose. Et si je... Non, c'est pareil. Putain, il m'en faut 30. Non, il m'en faut... Ah, attends. On est dans quel sens là? C'est à l'envers en fait. Ouais, c'est ça. On en a 10, il nous en faut 30. Ok. Écoute, on va terminer la journée encore une fois. Comme ça. Et Pavel va partir collecter. Je vais dormir avec la petite encore une fois. Et on va rester. Alors attends, on a quoi? Est-ce qu'on peut pas aller voir autre chose? Beaucoup de nourriture, beaucoup de médicaments, beaucoup de pièces. Au niveau des pièces, on n'a plus grand chose ici. Nourriture, matériaux et armes. La maison, elle est calme. C'est un quartier résidentiel qui demeure presque intact. D'accord. Supermarché. La nourriture, matériaux, mais bon, il y a le danger. À l'église, c'est pareil. Prudence recommandée. On va aller faire un tour à la maison calme avec Pavel. C'est parti. Et on emmène, on emmène, on emmène, on emmène. On emmène une pelle. Ça peut toujours servir. On va laisser le pied de biche à la maison. Ils ont besoin de se défendre. On va y aller tranquillement parce qu'on sait pas s'il y a du monde à l'intérieur. Les matériaux, on prend. La maison a l'air d'être super grande. Aussi grande que la nôtre. De la nourriture, on prend. Du bois, pour l'instant, on va prendre. On verra après. On va observer à l'intérieur s'il y a du monde. J'espère qu'il n'y a personne. Il y a des papiers et des mamies. Vous êtes avec les bandits, j'ai entendu dire qu'ils cambriolent les gens. Écoutez, monsieur. Je viens juste récupérer quelques matériaux. Est-ce que vous en avez? J'ai pas envie d'avoir de problème avec vous. C'est juste que j'ai besoin de quelque chose pour survivre. Je vois que vous êtes bien ici. Je vais pas vous... Elle est malade, votre femme? Ok. Je vais pas vous agresser, vous inquiétez pas. Je suis pas là pour ça. Allez-vous nous tuer? Non, monsieur, on va pas vous tuer. Enfin, je vais pas vous tuer. Pas là pour ça du tout. Pas envie de faire peur à madame. Bon, bah bonjour madame. Il est derrière votre mari. Non, je ne veux pas d'objets précieux. Je cherche juste quelque chose en particulier. C'est des matériaux. Est-ce que vous en avez? Désolé, hein, je fouille, fouille votre baraque. Je vous ramènerai bien des médicaments. C'est quand même bizarre qu'en bas ça soit fermé des deux côtés. Hein. Vous dites que vous avez rien de précieux, bon. Je reviendrai sûrement ici. Cacher quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Désolé, hein, je vous vole, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Ça m'intéresse. Je vous en prends que ça, d'accord? Je prends pas les médicaments, je vous les laisse, promis. Je prends pas votre nourriture non plus, je vous la laisse. Il y a une lettre de Papy Bernard pour Alain. Nous sommes contents d'apprendre que tu commences à apprécier la vie avec Tata. La guerre n'est pas si terrible, mais ce n'est pas agréable pour les enfants. Il paraît qu'elle sera bientôt terminée, donc ne t'en fais pas pour nous. Mamie se sent mieux. Elle m'a dit de ne pas t'en parler, mais elle garde de la farine pour te faire des biscuits que tu adorais. Pour ma part, je te promets de réparer la balançoire quand tu reviendras. Ok. Vous cachez quoi sous votre lit? Juste pour savoir. Je prends pas. Je vous les laisse, je vous les laisse. Je vous ai dit, je vous les laissais, je vous les laisse. Y a pas quelqu'un caché à l'intérieur? Non, c'est bon. Je laisse les médicaments. Je vous les laisse, je vous les laisse. Promis. Par contre, ça me fait chier.
Parce que mon sac il est vide. Vous avez quoi dans le frigo? De la bouffe? Votre mari il est un peu plus haut madame. Vous me donnez ça s'il vous plaît? Merci, vous en avez pas besoin ici. Vous n'avez plus d'enfants. C'est pour une petite fille qui a... dans le logement que je viens d'intégrer. Putain, vous en avez des médocs. Si un jour je suis malade, je viens chez vous. Allez, on regarde juste ce qu'il y a dans l'armoire. Il me suit partout le vieux là. C'est des composants aussi qu'il me fallait, pas seulement... On va prendre ça, peut-être qu'on pourra faire du tabac, mais bon. Allez, on s'en va. On laisse tranquille le vieux. Je reviendrai, monsieur. Il y avait encore des choses dehors? Non. Bon, allez, tant pis, on y va.